Coucou! Alors, présentation du petit album rentrée. Alors, je suis désolée, j'ai disparu tout le mois d'août, mais j'ai eu un mois d'août professionnellement très prenant. Du coup, j'ai pas eu le temps de créer. Enfin, j'ai commencé à créer le livre altéré de Noël. Mais je me suis dit à un moment donné, non, en fait, Audrey, tu vas pas filmer ça parce que tu vas pas filmer du Noël. Et alors, c'était bien avant qu'Action sorte les fameux papiers que je ne suis même pas allée voir encore. Enfin, qu'on verra, je verrai si j'aurai et pas. Ou pas. J'avais justement, vu que le mois était lourd et émotionnellement très compliqué, j'avais envie et besoin de faire du Noël. Donc j'ai fait un livre altéré pour moi, que je vous présenterai, mais voilà. Peut-être que j'en ferai un en cours d'année. Donc je vous présente. Donc du coup, rien n'a été filmé. C'est ça. C'est pour dire que j'ai pas scrappé, mais. Et j'ai fait ça le week-end dernier. Oui, j'ai même pas le temps de refilmer entre-temps. Le petit album rentrée de mes nièces. Donc qui fait 13 cm de hauteur sur. Parce que là. Sur à peu près 8,5, 8,5, 9. L'idée, c'est de mettre les trois photos de la rentrée. Donc j'ai pris. Les trois photos, j'ai trois nièces. La tenue de la rentrée, en fait. Ça c'est le délire. Je ne sais pas si ça existe encore, hein, n'étant pas maman. Le délire du. La tenue de la rentrée. Enfin, moi, c'était très essentiel, la tenue de la rentrée, quoi. Ça pouvait être un jean que j'avais l'année dernière, hein, mais le petit haut, enfin, il y avait un truc nouveau pour rentrer à l'école. Donc, je ne sais pas si c'est des trucs familiaux qui se font encore ou pas. Donc, nous, en tout cas, moi, ma famille, eh ben, ça le fait. Elle continue, les filles. Donc, du coup, voilà. J'ai pris celui-là, Warm and Cozy. C'est la planche de bois. Voilà, comme ça, et derrière, il y a les feuilles. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, après, les feuilles, moi, ne m'ont pas gênée. J'avais envie de faire un truc un peu automnal quand même. Parce que, ben, pour. Parce que par chez moi, en fait, on n'a pas toujours le soleil à la rentrée. Hein. Bienvenue dans l'Est. Et des fois, on peut faire avec des buts feuilles qui chutent, en fait. Tout dépend de comment a été l'été et compagnie. Mais nous, on peut faire des rentrées scolaires en semi-automne. C'est sûr que si vous habitez dans le sud ou mes nièces en Bretagne, ça ne va pas leur parler des masses, hein, les feuilles qui tombent de l'automne à la rentrée. Mais moi, j'ai connu. Donc voilà. J'avais ces feuilles origami. Alors ça, je pense que j'ai pris parce que c'était Noël. Noël, bon, non mais Audrey, je suis fatiguée. Parce que c'était Halloween. Et ça, parce que c'était l'effet marbré bleu marine. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais. Et tout ça pour vous dire, oui, j'ai utilisé beaucoup de bleu alors que j'aime pas le bleu. Mais voilà, je sais que le bleu et le orange sont des couleurs complémentaires. Donc à un moment donné, bah, je fais avec ce qui va. Et voilà. Du coup, j'ai utilisé ce céramique-là, ce bleu-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait aucun tamponnage, truc, machin, tout ça. Je me suis vraiment juste éclatée avec les papiers. Je reviens à mon amour de base du papier. Donc, voilà. J'ai passé un petit ruban, soit satiné, sous l'étiquette rentrée. D'accord. Après, c'est là où il y a des gens, ils peuvent s'éclater, faire des tampons, des trucs. Moi, pas. Je trouve qu'il est juste purement magnifique en papier comme ça. Mais c'est mon délire. En ce moment, j'ai un épuré que de papier. Les tampons, j'ai rien dans. Non. Alors que j'aime beaucoup jouer avec mes tampons, avec mes encres, enfin, surtout avec ma Versafine. Bah là, non. Il faut pas chercher. Donc, voilà. Ça s'ouvre comme ça. Ça, vous reconnaissez, c'est les petits dessus d'étiquette que j'ai eu, que j'ai fait. Dans l'album citronné. Voilà. Donc c'était bleu orangé. Je trouvais que ça allait ben, bien. Ça se fondait bien avec ça. J'ai fait des petits cahiers. Donc j'ai rhabillé derrière. On pourra pas. Je sais pas si on va le voir. J'ai rhabillé derrière avec le même papier qu'il y a là. Voilà. J'ai fait des petits cahiers. Et c'est ça qui tient l'album photo. Enfin, la petite photo, le petit rabat photo. Avec un petit cœur orange. En attache parisienne. Voilà. Permet que ça coulisse et que ça tienne la page. Donc ça, c'est les deux carrés que je vous ai montrés, orange et bleu. Alors le bleu, je l'ai coupé plus à la dimension, hein, forcément. Et là, j'ai coupé et j'ai mis une petite pochette pour avoir la vie de l'enfant. Et puis donc, du coup, la photo, elle sera là. C'est trop joli. Là, j'ai refait avec des chutes, alors du truc orange que j'avais. Céramique là, une étiquette, j'ai remis une feuille cahier en fait,
comme là, ça c'est des chutes de papier cahier hein, qu'il y a là. Et voilà, donc encore une fois, là ça peut être, je sais pas moi, le nom de la prof ou la classe, là je peux mettre juste l'année, enfin, on s'en fiche en fait. Ou peut-être même la date, parce que comme elles rentrent pas toutes à la même, parce que là ma grande, moi ça y est, c'est fini, hein, c'est la cinquième ou la quatrième? J'ai eu le flottement là. Non, c'est la cinquième. Donc là c'est la cinquième, là c'est le CM2 et là c'est la deuxième grande année de deuxième petite section. Parce que ma nièce est en début d'année, elle est de février, la troisième. Donc elle a rentré, elle a fait une rentrée scolaire, mais qu'on n'était pas une, quoi. C'était pas en septembre. Et bon, elle aurait pu passer direct en moyenne section, je crois. Mais non, ses parents ont décidé que oui, c'était bien, et ils ont raison, elle suit son rythme. Là, elle reste en petite section. Donc il y a une vraie rentrée là. Ça, c'est là ma louloute, mon petit univers CM2. Et là, cinquième. Et bébé, mes bébés grandissent. Voilà. Le petit album pour mes nièces. Donc, si ça vous intéresse, je vais voir. J'ai demandé à ma collègue si elle voulait que j'en fasse un pour ses petits. Sachant qu'il y en a un qui va rentrer à la crèche, je crois. Hein, donc, même pas la maternelle. Mais bon, c'est pas grave. Donc, si ça vous intéresse, je peux refaire le tuto vite fait. Ce sera peut-être pas les mêmes papiers. Parce que je pense que du coup, j'en utilisais un plus enfantin bah, pour le petit qui, normalement... Je reste persuadée qu'il rentre à la crèche, mais j'ai peut-être pas, en fait. Peut-être qu'à un moment donné... Oh, non, il va pas aller à la maternelle, le petit beau. Ni les beaux. Bon, bref, on s'en fout. Voilà, je lui ai proposé. Donc, si elle me dit oui, je referai un album rentré comme ça. Il aura peut-être pas, du coup, cette épaisseur-là. Mais vous avez vu, ça tient sur une moitié de 30-30. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Voilà. Sur ce, ben, je souhaite à tout le monde une bonne reprise. Parce que là, hein, mon avis, les derniers... Enfin, je connais encore des... personnes qui sont en vacances et qui reviennent genre le 1 pour le 2, la rentrée. Mais bon. Je pense que les vacances sont terminées pour tout un chacun. En tout cas, dès l'instant qu'on a les parents, ben, c'est terminé. Donc, je vous souhaite à tous une bonne reprise, entre guillemets. Et à moi, un peu de temps pour scraper. Voilà, je me souhaite des choses. Tiens, j'en profite. Allez, bonne journée, bisous.